On voit les conditions, donc à Isaac, normal, chest, ce seront les conditions avec une Curse of Maze, qui fait bouger un peu les salles de temps en temps, qui fait aller peut-être parfois à l'opposé de là où vous voulez aller. Vous êtes déplacé dans l'espace. Ça peut également vous faire avancer, ouvrir des portes fermées à clé, sans utiliser de clé, aller dans une secret room ou autre curse room. Ça peut rendre les Curse of the Lost très drôles aussi. Oh là, oh là 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 là. Alors ça, par contre, oui, ça devient, d'un coup, ça devient compliqué. On verra bien ce qui leur arrive, et s'ils arrivent à s'en sortir. On va donc lancer la race dans 3, 2, 1, go. Go, ouais. On verra si on a un tracker chez Arctic Race, peut-être le tracker du jeu. Oui, ou alors... On verra. Il est peut-être invisible. Mais... Après, s'il a pas mis forcément les informations de Flore et de Seed, tout ça. Ouais, il y a des ça fois, aussi. C'est, ça peut rester invisible. Alors, c'est parti, cher Arctic Rise et Magic Grams. Presque synchro. Ok. Rotten Baby, Rune Bag. Ouais. Du coup, là, ça va être dur à voir tous les resets. Là. Avec les... Honnêtement, avec tous les, rerolls, ils vont chercher forcément quelque chose d'assez deuxième fort. Rotten Baby. Alors qu'on voit que Arctic Rise, il a eu Holy Manto. Oui, c'est normal. Ah, beau jeu, il aurait dû jouer, il aurait dû jouer le canon. Oula. Quoi? Ah, mais là, c'est trop le beau jeu, là, c'est... Non, mais faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Donc on a bien le tracker du jeu. Oui, on a le tracker du jeu. Mais je ne comprends pas, là. Ah bah... Il a dit le beau jeu, de fait, il se lance sur un... Comment on dit sur le truc. De fait, c'est inutile, c'est totalement inutile pour lui. Ah, descend. Ah bah... Imagine grave ce qui n'est pas sur le beau jeu. Quoi. C'est un peu l'un des pires starters qu'on peut prendre. Enfin, c'est inutile, c'est pas ouais, un c'est starter qui fait chier. D'ailleurs, oui. Ah, ouais, ah. Puis, d'un coup, c'est vachement moins inutile. Le Mom's Life, chez Machine Graves aussi. Couteau contre couteau. Ah, intéressant. Il va mieux l'utiliser. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Double couteau de chaque côté, ils partent quasiment en même temps. Couteau de cuisine à gauche, couteau de salle à manger à droite. Ça va être à la gestion du couteau désormais, et puis aussi avec les objets qu'on récupère. C'est ça qui va certainement avoir... Sur les avoir... boss directs, ça va faire tellement mal, Ragman qui... Ragman, le couteau qui va trop loin par contre. Hein. Ouais, c'est mieux quand le couteau s'arrête dans la hitbox du boss. S'il dépasse, hein, on perd des DPS. Stem Cells, donc qui augmente le shot speed. Pour... Et si on a un Steven à droite, ça va tellement être... Oh là là, la Steven, chance. Steven, quelle chance. Cette chance de cocu. Ouais. Il aurait pu avoir Little Steven, ce qui aurait été vachement moins intéressant. Bah, il avait une chance sur 4 à peu près. Enfin, c'est une chance sur 4, une sur 5. Les gens ne sont pas d'accord là-dessus. Ah, je sais pas trop au niveau des pourcentages. Ouais, normalement c'est Steven à 80 ou 75. Enfin bref, il y a très peu de chances de tomber sur Steven au lieu de Little Steven. Mais bon, qui tombe sur on ne sait pas quoi. Cancer the Maze qui trade un peu. Oh, cancer. Intéressant. Cancer, il va absolument prendre. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, le pic ne lui fait pas un dommage entier, donc il perd pas son demi-cœur rouge. Ouais. Il aura bien son Devil Deal. C'est ça. Et puis maintenant, il aura une réduction de dégâts après le premier dégât quand. C'est ça. Partout en fait. Donc, même au par salle, ouais. Par salle. À partir du moment où on se fait toucher, après on prend qu'un demi-dégât par touche. C'est très intéressant, surtout en endgame. Par contre, il aura pas le D6 sur son Devil Deal, c'est un peu con. Eh oui, mais c'est difficile à, ouais, c'est à, difficile. À gérer forcément. On veut aller vite, hein, on veut pas forcément charger des salles. Mais est-ce oui. qu'il va jouer les God Room, il va peut-être... Ouais. Il aurait dû prendre, il a beaucoup de cœur rouge, hein. Je pense ouais, qu'il aurait ouais, je pense qu'il va jouer beau jeu. Si je tombe sur une God Room, au pire, je mettrai une bombe et j'aurai deux items à reroll. Mais... Une God Room, qu'est-ce qu'il pourrait la ranger désormais, quoi, le mapping ouais, Godhead, Sacred Heart. Godhead, couteau, Sacred Heart. Abaddon, par contre. Abaddon chez Machine Grams, c'est la fête. Ah, chez Machine Grams, c'est beau, quoi. Ah, il a backdash. Eh, hey, le Isaac Sartre, fallait le prendre, là. Hein. C'est fort, il suffit de savoir le jouer. Hein. Il prend quand même le temps de faire demi-tour pour reroll un objet. Hein. Ouais, bon, après, il est quand même un peu mieux niveau dommage. Niveau dommage, ça va jouer il est complètement un peu mieux. Aussi. Ouais. De la vie, il est bien. Après, ça reste un couteau, c'est vrai que ça fait tellement de mal en début de game qu'avoir plus de dommages, ça ne sert pas non plus. Ouais, mais en endgame, t'as besoin de en dégâts. En endgame, voilà, c'est ça, quoi. Et le couteau, si t'as pas de dégâts à la fin, c'est compliqué, ouais. Hein, ça requiert plus d'esquive à faire. Blood Clot, ah, j'aurais peut-être reroll, hein, parce que là, qu'est-ce qu'il vient de perdre du coup 6 charges. Après, s'il tombe très vite sur son item room, il sera content d'avoir ses charges, mais le Blood Clot qui est en couteau n'a aucun intérêt. Non.
Il me semble pas que tous les deux tics ça fasse plus de dommages. J'ai pas l'impression non plus. Non, et de toute façon, Bloodclaw, c'est un objet de tears. Il vient de perdre ses chances de deal en plus. Objet de tears. Il vient de se faire toucher là. Ah, bon objet de shop chez Imagine Grams. Le more options. Est-il allé au shop avant, d'abord quoi, c'est la question. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Après, on voit pas la map en entier. Ah, il prend la batterie. Empereur Card. Ouh, ça c'est bien par contre. Ah, oui. Ah, il a décidé de pas prendre le more options, tiens. Il aurait peut-être presque pu le prendre. C'est vrai qu'il a un étage de retard pour le coup. Non, il a un boss de retard. Oui, il a un boss de retard. Hein. C'est assez léger pour le moment. Articrides avait trouvé son boss. Hein. Alors qu'il a trouvé un orbital, plutôt cool. Tu peux prendre un évidemment. Et un Krampus qui va sûrement reroll quoi qu'il ait. Quoi que l'homme pauvre. Ah non, il prend l'homme pauvre call, d'accord. Il aurait pu reroll. C'est pas spécialement mauvais. Hein. C'est oui, mais c'est assez. Ça marche plutôt bien finalement. Par contre, les touches qui s'enchaînent sur Articrise, donc il peut pas baisser dans ses chances de DD, mais déjà, il est déjà à 36%, là. Ouais. Alors, cet item bomb, qu'est-ce que ça va être? On se demande. Ah, pas mal. Pas mal. Mais il risque de le prendre, ouais. De toute façon, il va regagner un cœur rouge. Ah, en plus, ça se soigne. Vie, hein. Très bien. Ça se soigne. Il y a un rocher marqué ici qui serait pas mal à prendre. Ouais, il n'y a pas de pouvoir. On voit qu'il a pas de cœur bleu et que du coup il se fait un peu troll ses David Deal. Hein. C'est là-dessus pour l'instant qu'il est un peu perdant. Il peut avoir de bombes, chercher. Ça y est, il a de bombes. Il faudrait aller le chercher, le rocher marqué, il l'a peut-être pas vu. Hein. Il l'a peut-être pas vu. Je sais pas. Ou alors il n'a pas envie de faire demi-tour peut-être. Hein. Il sait que derrière lui ça va vite. Ça pourrait être pas mal par contre. Un petit The Fallen. Faut voir ce que ça donne. Hein. Normalement, c'est un bon objet. Là, il s'est fait toucher par contre. Book of Belial, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut mettre un coup de D6, ce sera un item de Devil Deal dans tous les cas. Clairement. Ce sera un objet de Devil Deal. Faut pas perdre de temps là, faut le reroll. Du Pizarre Ball. Bien. Bon objet. Un bon objet de protection. Ouais, par contre, il n'aura pas. S'il se transforme en Guppy, il n'aura pas les avantages à part le vol. C'est ça, mais quitte à avoir un objet de Guppy, c'était peut-être un des. Les deux sont à Depth One. Plus intéressant. Depth XL chez Imagine Grams. Ah oui, Imagine Grams. On va vraiment la ranger pour le coup. On a dû rater un de ses étages du coup. Hein. On a raté la fin de son étage d'avant où il a eu. Comment ça s'appelle, Crackjax qui lui a filé un. Ouais, c'est ça. Une trinket dont je me rappelle déjà plus le nom et un cœur rouge. J'ai pas vu le trinket du coup. Ah, j'ai pas vu le trinket non plus, c'est. Le virus. S'il l'a pas pris, j'estime que ça doit être une bonne chiasse, quoi. Oui, je pense aussi. C'est peut-être l'ongle de maman, non? Ah, j'ai pas vu du tout. Hein. Je ne sais pas. Contre... Mais chez les deux, ça va vite, hein. C'est un couteau, ouais, hein, les couteaux. Ça va quand même. Et vite, mais du coup, Magic Rams commence à prendre de l'avance. Hein. Ouais, le XA, il a été assez court, finalement, il a trouvé vite ses deux boss. Je pense qu'il va pas s'embêter à chercher... Enfin, il va prendre quand même le cube. Il le prend. À tout. Et Mom, bonjour, je te fais des bisous. Et ça pique un peu. Et il enchaîne les Devil Deal en plus. Ouais, on n'a pas de Goated. On va aller voir quand même. Ouh, pas mal. Ça sent le reroll quand même. Hein. Moi je prendrais. J'aurais pris la Guppispo pour la reroll. Oh. Hein. Ah, on sent moins le beau jeu là. Hein. Le lâcher de D6 pour le Nail, c'est un peu secure. Moi hein. J'aurais pu. Parce que D6 c'est fort quand même. Hein. J'aurais pu prendre la Guppispo. Il va peut-être même pu prendre les deux presque. Et reroll. Ah, j'aurais totalement compté. Oh là, la relique. J'aurais totalement continué au D6, je pense. Mais... Je pense que j'aurais pris les deux. Ah, j'aurais reroll les deux. Non, j'aurais pris le Guppy et j'aurais reroll les deux. Ouais. Enfin, de te chercher peut-être un Guppy. Avec un couteau, c'est moins intéressant, mais. C'est ça, quoi. Ça donne toujours le vol. Le vol, c'est toujours pratique. Ah, le vol est pratique pour le monde. Pour la fin. Donc du coup, Debs 2 chez Articrise qui a pas mal de retard maintenant. Ouais. Il a une Emperor Card, mais ça va être compliqué. Il a peut-être pas assez de dommages pour rattraper le Snowball d'Imagine Grams. Imagine Grams a réussi à faire pas mal de trucs intéressants grâce à ses David Deal, Articrise. Moins chanceux à ce niveau-là quand même. Hein. Bah, c'est surtout qu'il a pris des touches dans Catacomb 1 qui déjà lui ont peut-être en Catacomb 2 qui lui ont empêché d'avoir sûrement des Devil Deal au bon moment aussi. Et il a pas pris son premier Devil Deal donc il y a eu une. On voit qu'il a la relique quand même. Il va lui redonner des cœurs bleus. Hein. Mais là il vient de se refaire toucher donc. Pour ses chances de Devil Deal, a priori c'est mal parti. Mais en termes de survie, les deux joueurs sont pas mal. Ouais. Imagine Grams, là, c'est son nail. C'est dommage, il y a quand même plus d'avance chez Imagine Grams. Oui, Imagine Grams, c'est largement en avance. Que j'ai jamais vu. Ah, t'as jamais vu ça? Ah bah non, c'est en normal, ça. Ah,
Allez, ça j'ai jamais vu ça en hard. Après, c'est peut-être que j'ai pas de chance, mais la salle avec full caca rouge là. Ah ouais, bah si, pourtant, moi je l'ai vu assez régulièrement. Du coup, c'est bon. Ouais, c'est bon. 1, ça encore. Ouais, c'est toujours bon. Hein, il essaie de trouver le bon chemin. Avec Curse of the Maze, il troll un peu ça, il l'a trouvé. Mais c'est un XL aussi chez. Non, pas du tout en fait. C'est juste qu'il y a eu un boss qui m'a complètement. Qui m'a complètement brain. Ah oui, il avait. Oui, je l'ai même. Oui, on a un peu raté certaines choses. On est un peu. On s'intéresse. On essaie de s'intéresser aux deux runs. Ouais, j'essaie de regarder les deux le plus souvent possible. Du coup, j'ai vu un boss juste avant Mom. Je me suis dit, what, c'est un XL, mais non. Bah, je grimpe, c'est dans une salle. Alors, il check quand même, mais bon, son empereur là, son empereur, il faudrait mieux l'utiliser au chest que maintenant pour prendre un item en. Désormais, il faut ça, hein, il faut ça pour rattraper le retard. Il lui aurait fallu un bon pixel aussi. Ça le marrante ça. Mais là, il va tout check et ça va lui prendre un temps fou. Hein. Ouais, ça lui prend un temps fou. De toute façon, il peut pas viser mieux que l'empereur. Hein, c'est ça. Abel est pris par contre. Abel chez Magic Grimps, il doit être content. Évidemment qu'on prend Abel. Il est là, on le prend quoi. Bah surtout quand on a une telle avance, ça ne fait qu'enterrer l'adversaire. C'est hein, ça. C'est... Ah, et on voit que son virus fait le taf. Hein, il a donné un cœur noir au contact. Ça arrive, virus, c'est possible. Il combat bien avec le Polaroid en plus. Donc, hein. Puis couteau qui vient achever les adversaires. C'est qui ça, sont ça, ça, ça marche très très bien. C'était une bonne idée de prendre le virus hein, dans tous les cas. Ah, son Abaddon qui a fait le boulot, hein, tomber sur Abaddon, Abaddon, c'est vraiment un gros boost. Hein. Il a vraiment eu beaucoup de damage up, plusieurs damage up. On voit quand même qu'il est à 7 de damage, c'est pas non plus exceptionnel, mais avec un couteau, c'est très très bien. Alors que par contre, les touches s'enchaînent un peu chez Articrise qui est plus qu'à 4 cœurs, enfin non, 5 cœurs. Hein, on voit que ses cœurs sont réduits alors que on rappelle qu'il a une réduction de dégâts quand même. Et un générateur de points de vie derrière lui. Il prend beaucoup de touches, ouais, il va au contact quoi. Il embrasse les ennemis avec son couteau. Ah. Oh, le layout qui s'enchaîne un peu chez Magic Grimps, ça il s'est tapé un très long nombre 2. Mais il l'a trouvé, il se rapproche. Ah. Qui est déjà envolé. Il va le faire. Un dernier Devil Deer. Il décide de s'écarter alors qu'il est full vie. Il pourrait le faire au cas qu'un kit a sacrifié un cœur. Il aurait pu enchaîner. Mais bon. Ça s'est bien passé. Alors qu'on voit que chaque. Arcticrise a moins de vitesse aussi. Hein. Ça joue aussi. Voilà, ses déplacements. Hein. La vitesse, c'est pas la même. Hein. C'est clairement pas la même chose. Hein. Tête de chat. Deux items de Guppy du coup. Il a pas pris la peau. D'ailleurs. Façon, c'est marqué en bas, hein, ça doit être marqué dans son cœur. Ouais, il a Guppy. Mais j'attends 2. Du coup, Womb 2, il me semble. Ah non, toujours pas. Womb 1, c'est chaotique chez Arcticrise. Hein, c'est assez long, hein, son couteau. Il est assez. Ah, il a rien eu avec son couteau sur faible, son tracker. Heureusement que c'est le couteau, tracker, parce que sans le couteau, ça va pas forcément si loin que ça, une arme comme ça. En tout cas, pas aussi vite. Bah, on voit tout son tracker. De toute façon, le seul boost de damage qu'il a pu avoir, c'est son All Stats Up avec le SMB Super Fun. Ah ouais. Mais, Après, c'est la grid de ne pas avoir pris de Devil Deal, je pense, hein, simplement. Le premier Devil Deal, ouais, qu'il aurait dû prendre. Il fallait le prendre, il avait beaucoup de cœur rouge et. Même Spur, là. Hein. Dommage. Alors qu'on a à peine regardé Isaac, qu'il est déjà mort chez Magic Grimps. Ça a bourré au Polaroid. Du coup, il va ramasser ses coffres. Il va ouvrir ses 4 coffres. Mais le J2, rien de fameux. Hein, il prendra la Celtic Cross, Gimpy, Spider Baby, mais rien de fou. Hein. Un peu rien de protection, de fou, hein. Quoi. Mum's Art, enfin Eclipse qui va tomber par contre chez Articrise. Oui. Alors on voit quand même que du coup chez Magic Grimps, il a aussi le souci d'Abaddon, c'est qu'il a le Fear et que les ennemis se cassent de son couteau. Ah, le Fear Shot, ouais. Le Fear Shot en speedrun qui peut être parfois chiant. Ah bah enfin, oulala. Il a enfin damage up, move the void. Il lui faudrait beaucoup de chance, hein. Il faudrait que Magic Grimps s'enterre dans un chest infini. Rappelle qu'il a un empereur. Il faudrait une cathédrale tellement rapide à. C'est encore possible, hein. Magic Grimps a déjà. Alors attention, la Curse of the Maze. Curse of the Maze qui lui casse les couilles, un truc. Il faudrait que la Curse of the Maze emmène aussi devant cette le boss, version de Gate qui est pas si simple, hein, avec ses araignées. Quand les araignées s'enchaînent. Il les envoie vraiment
Par contre, Ouais, vraiment Vladimir loin, Alex, quoi. qui est très très mal géré par Artie Christ, qui aurait pu mettre des dommages à certains moments, mais un peu dommage. Ah, il trouve le boss déjà, hein. Oh là là, avec Attention! la Curse of Mais the Maze qui alors, l'emmène, hein, la c'est ce que je disais. pire des Alors là, par salles contre, juste la avant, pire hein. salle du monde, là, faudrait peut-être bourrer Ah, Maw of the Void ouais, en faut lieu de bourrer avec complètement ton faire du couteau, je Maw of pense the que. Void ici, c'est ce qui sera le plus Ah efficace. là, en plus, il a le cancer qui est en train de l'aider. Ouais. Non, mais Ouh, là, faut pas jouer au attention, couteau, hein, Coco, Imagine là. Grumps, Ouais, c'est c'est ça, pas quoi, il est un garanti, peu en train hein. de s'enterrer dans son chest. Mais là, non, là, s'il joue pas Maw of Ouais, the si je Void, joue pas Maw of c'est un the peu. Void, ça va être très C'est très long là-dessus cette qu'il, pour salle. moi, c'est là-dessus qu'il est en train de se roll, là, parce qu'il, là, franchement, Ah, on avec voit du Maw qu'il of the Void, l'utilise un peu, mais bah, pas il était forcément déjà sur bien, hein. Isaac. Hein. Ouais, Bah, il il l'a l'a très mal utilisé, mais utilisé. pas Ouais. forcément Est-ce qu'il a de l'Homme façon Pauvre? Non, lui, il n'a efficace. pas pris l'Homme Pauvre Call. Non. C'est très dommage de tomber sur cette salle, parce que là, franchement. Ouais, bah alors que Imagine Grahams, je pense qu'il doit pas être mal dans son Ouais, direction, là, hein. il est bien Ça parti, ressemble à Imagine quelque Grahams. chose de Ça bon, commence à ressembler à un vrai pattern. Mais hein. Ouais. là, franchement, s'il avait pas oublié qu'il avait Maw of the Void, c'était pour moi, c'était bon. Hein. Possible. Là, Effectivement, ça ouais. fait au moins 2 minutes qu'il est sur cette Après salle et. avoir le temps pour mettre. Allez, on voit qu'il est quand même qu'à 1 demi-cœur, hein. Il a pu son Attention, Empereur hein. Card? Il a fait son empereur. Il l'a peut-être utilisé Ah, il pour l'a peut-être gagner du temps. utilisé On n'avait pour pas Almira vu, Eclipse tout à peut-être. l'heure, ça je l'ai pas vu. Ah, si j'ai pas vu qu'il avait plus l'Empereur Card, de fait, il avait aucune chance de revenir, Ah mais. oui, effectivement. Il l'a utilisé quand? Peut-être au Womb pour revenir. Je pense, Womb 2, il me semble que son Womb 2 est passé assez vite. C'est vrai. Alors que, j'imagine Graham, c'est Ce pas sera la joli, mais question. bon, il a des cœurs, hein. Il a le Polaroid. Un peu bourré. Un chest quand même Et il super est lourd. mort, Antichrist, du Ah, coup, Artie du Christ est seul mort, sort. malheureusement. Ah, mais je dirais, ce qu'il choisit, et bon, c'est par là, c'est C'est bon. bon, il est arrivé. Honnêtement, avec Ah, ça, je me 7 suis un peu embêté cœurs, sur il la est fin, mais plus j'avais qu'en pas vu forme. qu'il avait plus l'Empereur Card. Mais de fait, avec l'Empereur Card et une utilisation de Maw of the Void, il s'en sortait. Alors que là, Mais Majin bon. Grams va pas s'embêter. On Ah, là, fait clairement, il va le y aller, il va double Byoka, bourrer. qu'on a largement assez de vie pour tanker les dégâts. C'est ce qui est le plus efficace dans ces cas-là. Les cœurs grâce à Virus. Et c'est la fête. Eh bien, GG. belle victoire, hein, rapide, SAP16. 15-45, ouais. SAP16, c'est beau. 15-50 plutôt. Avec une Curse of the Maze en plus. Allô? Attendez, Ah, faut que je GG, tu démute les sais. deux. Allô? Allô les Allô, deux? Léa. Très sale. Très sale. Je sais pas, j'ai pas suivi. On a eu, tous les deux, on a eu couteau. Un couteau de chaque Et côté, mais plus de chance moi. chez toi, Majin Grams, ça. Non, Ouais. non, moi j'ai rien eu avec mon couteau, mais vraiment absolument rien. J'ai Ah mais tu as grid aussi, hein. T'as pas pris ton premier Devil Deal. Hein. Oui, Bah, mais en même temps, même en le prenant, il oui, prenait trop de dégâts derrière pour voir il les prenait trop de suivants. dégâts derrière, mais enfin, J'avais trop de c'est. cœurs rouges et aucune façon de les utiliser aussi. Donc. Ouais, mais bon, c'était, il Mais fallait, bon. enfin, je pense qu'il fallait lock les Devil Deal, Je que tu pense saches. que. Oui, le problème c'est que tu n'as pas Dans eu tous les cas, il les faut lock Devil les Deal Devil Deal. En même temps, je voulais que pas Majin trop. Grams a eu. Hein. Majin Grams il a fait pas mal de son build avec les Devil Deal quand même. Hein. Ah bah le Abaddon, Abaddon, hein. Attends, tu as eu Abaddon et tout ça. Abaddon, il a eu. Il a pris le Nail, il a eu pas mal T'as de pas choses faux. intéressantes En même temps, la dans son dernière build. salle devant Isaac, c'est vraiment sale aussi. Bah, Ouais. tu l'as pas Fallait bourrer Maw forcément of the bien Void géré, plus, fallait beaucoup plus. vraiment y aller à Maw of the Void au maximum. Et Là, bien la fallait. Si placer. j'utilisais Maw of the Void, ça En même passait temps, vraiment Maw of bien. the Void est un item que j'utilise très rarement, Ah oui, bah oui. ça c'est un item qu'il faut pas Voilà, sous-estimer parce que c'est c'est très très vraiment un fort. très très Que bon ce soit objet, en Maw of the speedrun Void. ou en streak, c'est Mais bon, extraordinaire comme item. vraiment un objet génial, ouais. Donc à retenir que c'est important de savoir le Il jouer celui-là. faut apprendre à Ok. l'utiliser, effectivement, ça sera utile pour de prochaines fois. Peut-être. Si un Peut-être jour je si un gagne jour un tu raffle. regagnes, mais tu as gagné une fois un raffle quand même. Alors, Au il y en moins on a. sait que c'est possible. Ah voilà, tout le monde peut gagner. C'est Oh, dans les pour stats. certains, il faut parfois un peu plus de temps. Et comme ça. Bien joué.